Bienvenue sur Téternel, cette fin du 9. C'est super pas content, super pas content, mais alors pas content du tout. Bon, je dis rien, je râle pas. Si je tourne le truc, si ça coupe, ça me fait chier. J'en ai fait une petite récolte de mégots. Oh, c'est parce que j'apprends Misericordium. Bon, je sais pas pourquoi. Je m'en bats les couilles. J'étais super pas content de Tata. Apporte-moi mes cachets. Tu sais, ils sont tous cachetons. Sous BHL TV, là. Ça va pas. Pas content du tout. Suis toujours en mode Obi-Wan, mais. Putain, j'ai un 2% Saint-Luc, j'ai un 2% Saint-Pierre. J'ai deux Ève, j'ai deux Jean-Philippe, j'ai mon Saint-Michel, j'ai ma Florence Marie, j'ai tout le monde. Tu vois. Le seul problème, c'est que Tata est capable de me baigner. Tu ne peux pas accomplir ta mission. Bon, tant pis. Hein. Je crois que j'irai plus jusqu'à dimanche encore, comme d'hab. Remarque, j'ai laissé le portable là-haut. Elle fait chier, Tata, putain, dès qu'elle prend son. On dirait la Sophie, dès qu'elle prend son cacheton, elle devient con comme la mort. Je sais pas. Arrêtez tous les cachets. L'industrie pharmaceutique, c'est de la merde. Vous allez comprendre ou quoi qu'il faut arrêter les olpidem, les trucs, que vous faites des tueurs. Vous débranchez l'âme. Alors l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle est débranchée, alors elle devient tueur. Cacheton de merde. Putain. Vas-y, médecine de mes couilles, là. Vas-y, dégage, dégage, dégage. Soigne aux plantes. Soigne au vin. Et ça ira bien. Toi, si tout le monde buvait un bon coup, il n'y aura pas une pharmacie d'ouverte. Je vais le dire 150 milliards de fois, mais je vais le dire. Juste pour le vernis à poufias et le gel à poufias. Oh, pour pas t'enflammer ton trou du cul de salope. Qu'est-ce qu'il y a là? Putain, qu'est-ce qu'il y a là? Tu crois que je suis content, super content d'être miséricordieux? Eh ben ouais, finalement je suis content. Mais en même temps, je t'emmerde, fils de pute. Les gens du pouvoir là, le Macron en boîte, ça se rothschild là, tout ce que tu veux. Mais va te faire enculer, espèce de petit PD. L'autre là, le Sarkozy, le nain hongrois. Mais putain, un coup de boule. Mais je me le fais, hein, je fais 84 kilos, 84 balles. C'est sûr, s'il y a des Kalachnikovs partout, ça va pas être facile. Bon, alors t'arrives avec une belle grenade. Bon, monsieur, comptez jusqu'à 10. Et le escrozy, non? Inauguration à Cigaluza, non pas Cigaluza, le jardin là-bas, là, au Montbron. Bon, tout ça pour dire, je vous pète la gueule. Le transhumanisme, j'ai compris. J'étais juste Obi-Wan, j'apprends juste à faire bouger les boules de feu. Je suis gentil. Mais quand je vais maîtriser le truc, putain. De toute façon, ce sera trop tard. L'armée des 12 singes. Alors, quand j'ai dit hier, ou je sais pas quand, répliquant, c'est l'inverse. L'inverse du répliquant. C'est comme si tu disais, termine à raison qu'il n'a pas tort. Le mec, il se met en veille. Il attend le moment crucial. Tu vois? Il est en veille, le mec. C'est tranquille. En fait, tous les soirs, il est en veille. Et tous les matins, il se réveille. Putain, ça fait chier le cyborg. Allô, B1? Combien ils sont là? Bon, comment on va faire? Heureusement, j'ai vu Alex ce soir. Ah putain, c'était cool.
Il y avait une classique. Ça, c'est un vrai astropode. Même Fifi, bah, apparemment, ils s'aiment pas trop parce qu'ils sont caractériels. Bon, pas arrivé. Daniel, pas de problème. Florence, pas de problème. Michel, pas de problème. Ça, c'est un gouverneur vrai. Ça devrait faire partie. Ces gens, ils sont pas là pour s'enrichir. Ils sont pas là pour du mal. Ils sont pas là pour que ça brille. Et en plus, ils t'emmerdent. Et puis moi aussi. C'est pas pour du matériel, c'est pour du spirituel. C'est pas pareil. Tu vois. Seulement, je pourrais pas le mettre demain parce que. Ça y est, je fais encore la gueule à Tata parce qu'elle arrête pas de me faire chier, qu'elle comprend rien. 80 balles la pile au cœur. Ok. Et c'est bon, si t'as la pile, t'as pas besoin de cacheton. Dès qu'elle prend le cacheton pour dormir, c'est bon, on dirait la Sophie. Oh, faut arrêter, hein. Merde, hein.